Bonjour, Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL, Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison, qui est rentré la caille nous là. On va faire un petit assiette de filet mignon pour nous, ok? Ça, c'est des filets mignons. Ce n'est pas une viande qui mange bien cuit. Lorsqu'on mange le bien cuit, ce n'est pas. On peut manger le bien cuit là, mais il vient dit lorsqu'il est bien cuit. C'est une viande qui mange soit saignant, ou médium saignant, ou bleu. Pour moi, faire là, moi j'ai ça assaisonné. Moi, je mets ton petit sel. De deux côtés, et voilà. On a mis tes poivres. Quand y a là, on met ton petit cajun là-dessus. Si toutefois on pas un cajun, ou un épice à steak ou qu'on mette sous lui. Je vais saisir tes viandes. Je vais chauffer pour moi bien chaud. Je vais faire bien chaud. Hein? Faut pas mettre un pile de viande dans le poil là, parce que si on met un pile de viande dans le poil là, ça l'appelle la bouillie. Parce que là, nous avons besoin de coloration. Une fois que vous sentez bien coloré, voilà, qu'on a là, moi, je vire le coup de côté. Dans l'autre côté, ça, lui-même, il n'a pas tellement besoin de trop colorer parce que sinon, il y en a quasiment qui est en cuit. Bien coloré. L'autre côté, ça, qui va le faire cuisson, moi, je vais lui. Moi, tout déposer dans ça, moi, je mettre le cuite là. Moi, il y a que 4 pour qu'il ne pas collé ensemble parce que si on colle ensemble, il va le bouillir. On a menu là, besoin yon médium moi-même. Là, il saignant. Ma peine mette foi à 400 degrés là, 7 minutes c'est prêt là. Qu'on a là, m'a mette là en bas fou. Moi, vini avec chaudière que moi, avec poil, moi, saute fait là. Qu'on a là, m'a fait sauce aux trois poivres là. Pour me faire sauce aux trois poivres là, même gen tiye chalotte. Ça, c'est même échalote nous connaît en Haïti. Gen gros, gen petit. Mettez-le sous. Une fois oignon bien sué, moi déposer une tasse de vin rouge là-dedans. Dans la tasse de vin rouge là, moi mettre un petit feuille de laurier là-dedans. Après ça, mettez persil et thym à bouillir là-dedans. Qu'on a là pour quitter ça bouillir 20 ans avec petit parfum, m'a quitter réduit à moitié. Dès que nous finissons garder nous dit 20 ans garder. Presque sèche. Allez dire la réduit à moitié. N'a dit 20 fin bien réduit. On a même venu avec fond de voix. Fond de voix, montrer nous comment le faire. Déjà, je vais dans le cours numéro 3. Je vais déposer là-dedans, je vais le faire bouillir. Je vais mettre sel en y encore là. Dans l'âme, je vais quitter le cuit. Je vais mettre ce moment là, il est censé réduire quasiment à moitié aussi. Bouillon. Non. Point, je vais arriver là, qu'on y a là. Je vais mettre un petit roux là-dedans. Ou bien ça, nous allons un petit beurre mani. Un petit beurre mani, c'est quoi? C'est du beurre. Et de la farine ensemble. Moi mettez une cuillère de beurre mani là-dedans qu'on a là pour mal épaissir sauce là. Il déjà commencé à épaissir. N'a qui ça va juste fait là qu'on a là on va le couler. On va venir avec elle. Ça fait ça. Une fois que qu'on a là moins bien couler, regarde ça. On a nous capable dit sauce là quasiment prêt. Mais pas oublier de dire son sauce aux trois poivres m'a fait. Qu'on a là, si toutefois ou même ou pas une crème 35%, ou pas juste mettre les poivres là, là directement. Mais pour, si ça, ça veut dire sauce aux trois poivres. Poivre ça, c'est pas même poivre. Ben, c'est un poivre lié, mais c'est pas même poivre qui est utilisé pour mettre la manger parce que lui-même n'est pas piqué. Il est juste goûté poivre, mais pas piqué. On a tout de suite qui ça me fait. Si je vais mettre crème là-dedans, là d'un coup, je vais mettre poivre là-dedans et puis je vais brasser et puis je tape comme ça. Moi-même, je vais faire avec un petit crème parce que c'est très bon. Hein. Mettez un quart de tasse de crème. Qu'on a là, rendu là, qu'on a nous va mettre un pile de fait encore là. Du fait à doué simplement. Tant que là, moi-même, du fait n'a 5 là. Il n'y a pas qu'à bouillir encore. Dès que vous mettez crème, il n'y a pas qu'à bouillir encore. On a supposé un petit genre frémir. Et voilà, qu'on a là. Sauce moins fine faite et puis qu'on a la moins déposé poivre là dedans trois poivres voilà pas besoin de manger là c'est vraiment bon quand je dis bon là très bon et voilà c'est ma sauce aux trois poivres qu'on a la ma peine goûter pas oublier ou pas besoin de mettre sel là dedans une bonne sauce pas besoin de sel le goût du vin tout est là dedans c'est excellent qu'on a ma quitté le frémi on tire 3-4-5 minutes et puis c'est prêt. La sauce est prête, qu'on a la moins ferme et fou moins.
qu'on a une fois fermé, qu'on a vidé le bol et puis m'a conservé dans le foie pour le cachot, qu'on a mis tous les légumes que moi utiliser pour me présenter à cette main là. Moi j'ai un petit poivron là, c'est un poivron rouge semi sucré lié, c'est un petit poivron qu'à manger comme ça tout sucré là. Après ça, ça c'est champignon bien là, ça c'est haricot sucré bien là, puis ça là c'est gombo. Nous voilà ça moi faire montrer nous, puis ça c'est carotte. Carotte là, lui-même, va le mettre le bouillon pour me faire un petit carotte caramélisé. Et puis, lui-même, va le mettre de l'eau chaude pour me mettre le cuit et puis nous tout à poil. Nous comptons qui j'en veux nous faire carotte caramélisé déjà. Moi, je te montre le c'est dans le coup numéro 2 ou bien le coup numéro 3. Mais l'important, c'est mettre un petit de l'eau tout petit pour les cuite et puis mettre un petit sucre là-dedans pour qu'on a là avec un petit beurre qu'on a pour le venir caraméliser. Nous allons voir tout ça à la fin, là, au fin prêt. Et puis, dans les légumes, ça, même ça, lui-même, c'est petit haricot. On va le mettre le cuit dans de l'eau chaude. Et puis, je vais venir devant nous avec gombo, je vais le saisir. Et puis, champignons avec ça. Je vais le faire griller en bas four. Qu'on a dans les légumes, je vais le préparer. Regardez ça. Ça, c'est champignons nous te voyons. Je vais griller. Je vais griller ensemble avec tout poivron semi-sucré entier. Même si elle comme ça, là, c'est très bon. Qu'on a là, je vais commencer. Conseiller l'autre légume, je vais te montrer. Nous, je vais cuire déjà. Qu'on a, nous, je vais faire. Je vais faire une sorte de légumes combi. Qu'on a nous parlé contre qui ça combien. Première des choses, nous avons deux légumes grillés, poivrons et champignons. Parce que j'aime dire, nous allons faire un légume combi pour nous. Qu'on y a là, je mets poil moins au maximum. Je mets l'huile là-dedans. Carottes bouillies, haricots bouillis, champignons cuits dans le four et puis poivrons aussi. Qu'on y a là, mets ça notaire les calalo gombo. Les mêmes qu'on a l'huile moins chaud là, qu'on a les mêmes à saisir les mêmes dans l'huile là. Mettons un petit sel et mettons un petit poivre. Fais-moi vraiment au maximum hein, pour qu'elle bien colorée, pour bien saisir. On a une fois que nous avons bien coloré, on a qui ça me fait, on met des champignons. Toujours qu'il te fume au maximum pour qu'il ne pas bouillir. Une fois que champignons et qu'à la loi bien, vraiment sec là, qu'on a là, on met des carottes là. On met des alcool sucré à tout. C'est ça que les légumes combi. Ça veut dire, moi, mettez légumes grillés, mélangés avec légumes bouillis, et voilà, on compte. Venez avec un petit échalote verte, et puis, moi, mettez là-dedans. Lorsque nous finissons mettre tout ingrédient, nous, là-dedans, là, bien belle, nous mettez assaisonnement, nous réajustons, nous mettez ça, nous remettons là-dedans, mais toujours au maximum. Là, maintenant, c'est fait, il manque juste une chose, qu'on a là, moi, ferme un four. C'est prêt, là. Une fois que je ferme, moi, venir avec poivron sucré qui était coloré déjà dans le foie. Moi déposer là-dedans parce que lui-même pas veut le cuire. M'pas veut le craser, m'veut le rester ferme et voilà. Moi même avant de faire présentation pour nous mais seulement ça nous raconte qui ça lié. Ça là c'est une galette de banane et malanga moi mélange ensemble là. Banane, malanga et puis cocoyer. OK? Qu'on a nous-même les nous l'enfer vidéo ça. Prends ça nous quand le bras finir. N'a pas dans mi-temps écran noir comme qui galette de banane OK n'a pas nique prendre n'a pisé sous lui son l'autre vidéo lui. Voilà mais l'ensemble de toute vieux toute ça aussi présentation faite demain ça c'est vraiment beau j'aime ça. Moi dis nous merci parce que nous avons suivi moi. Toute maman qui a suivi moi, moi souhaite nous une bonne fête des mères. Maman dis nous pour nous partager vidéo ça ou pour moi. Si nous aimons nous gagnons like li. Continuez bouche à l'oreille là pour moi. Moi dis nous merci. C'était JFR Cuisine Girl. J'en fais dans lundi, votre chef à la maison. Vous pouvez rentrer la canne. Bonne fête des mères.